It was the first black republic in the 19th century, created by a revolution that overthrew slavery maintained by French colonial rule. But independence came at a cost, and Haiti had to pay billions in compensation that left the country bankrupt since its creation. High levels of inequality and poverty have persisted over the years, and political attempts to fight it have not ended well. Foreign intervention led by France and the United States have always preserved the status quo, and those who once tried to implement some type of change did not end well. Jean-Bertrand Aristide, the country's first democratically elected president in 1994, was removed from office twice when he confronted the country's elite. But in 2010, a powerful 7.0 earthquake left the country destroyed and killed between 200 and 300,000 people. Over 1.5 million people were displaced. For the international community, it was seen as an opportunity to rethink foreign aid and help the country move forward. But 10 years on, little has changed. Over $13 billion were pledged to help Haiti recover from the earthquake, but the country only received half of the money promised by donors. It was led by the United States, but according to the United Nations, only half of that money was released. Much of it was spent on short-term programs to assist people with food, water, and healthcare. Last year, thousands took to the streets to protest against corruption and the endemic economic situation. They demanded the resignation of current president Jovenel Moïse. He was mentioned in a corruption scandal involving the Petrocaribe Fund, a strategic oil alliance signed with Venezuela, where Haiti, the poorest country in the Americas, bought subsidized oil from its oil-rich nation. The government was supposed to use the extra money for social programs and advance the economy. Billions from the fund were embezzled by those in charge. Haiti's president Jovenel Moïse was mentioned in a 600-page investigation. I'm Teresa Bo in Port-au-Prince. This is where Haiti's presidential palace was located before it was destroyed by an earthquake 10 years ago. We're here in the capital to talk to President Jovenel Moïse about the reconstruction process, but also about what's next for Haiti. Mr. President Jovenel Moïse, thanks so much for talking to Al Jazeera. My first question is, it's been 10 years since a horrific earthquake devastated this country. Billions of dollars were pledged to help Haiti. What has been achieved in all these years? Comme vous, je peux poser cette même question après 10 ans. Pour dire, il y a eu, en fait, après le 12 janvier 2010, près de 4 milliards. Il y a des gens qui disent 4 milliards, d'autres personnes parlent de 5 milliards. Il y a des gens aussi qui parlent de 6 milliards. Cela veut dire, autour de Port-au-Prince, on pouvait commencer à construire des villages. Des villages qui devraient recevoir, je dirais, des dizaines de milliers de familles. En termes de résultats, il n'y a pas eu de reconstruction, en fait, dans le pays. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit dans le structurel, dans le durable. Là, on a fait beaucoup de petites choses. Mais les petites choses se font avec peu d'argent. Mais quand vous parlez de grandes choses, vous avez beaucoup d'argent, il faut dépenser ces milliards dans des projets, je dirais, solides pour le peuple. Mais je vous assure que cet argent, qu'on a dépensé après le tremblement de terre, ce n'est pas un argent qu'on a dépensé pour le peuple haïtien. Parce que les résultats sont clairs. Just as you were saying, you know, we've been going around Haiti and talking to people. People are still in temporary settlements, living in tents, some of them. There's a healthcare crisis. Food insecurity is on the rise.
10 years later, I mean, whose fault is it? Is it the international community? Is it the Haitian government? Who's to blame? Parce que on ne doit pas essayer de mélanger l'Haïti post-séisme avec la crise socio-économique que nous sommes en train de vivre en Haïti. La crise socio-économique est une crise permanente. Parce que cet État qu'on a là aujourd'hui, c'est un État prédateur qui est contrôlé par certains oligarques corrompus qui cherchent à faire la mainmise, en fait, sur certains secteurs clés du développement. Parce que l'État est capturé. Parce que moi-même, l'expérience que je viens d'avoir après mes 2 ans et 11 mois à la tête de cet État, je dois vous dire que l'État est capturé. But how do you do this? I mean, there's certainly people that do not want to lose power, that they do not want to lose their benefits. I mean, how do you reform the Haitian state? Et c'est ce que nous sommes en train de faire là maintenant. C'est, l'opinion publique aujourd'hui demande un autre pays, un autre système. Et heureusement, c'est moi qui suis à la tête du pays aujourd'hui. Moi-même, je suis prêt pour ce nouveau système. Un nouveau système que les acteurs doivent oublier leurs intérêts personnels pour prioriser les intérêts du peuple. Mais quels sont les intérêts du peuple aujourd'hui? Ce sont les droits sociaux et les droits économiques. Eh bien, il faut travailler pour le respect de ces droits. The mistakes made in the past years. What do you think were those mistakes? Were those mistakes made, as I said before, by the Haitian government or also by the international community? Bof, les deux. Mais en fait, en 2010, pour moi, ça a été une catastrophe. La façon de gérer l'après-séisme. Et maintenant, c'est ce que nous sommes en train, après 10 ans, de payer aujourd'hui. Alors, je ne suis pas là pour blâmer quiconque. Mais je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. Les résultats sont là. Beaucoup d'argent, on a dépensé beaucoup d'argent pour des résultats qui sont très, très... Corruption has been an issue here in Haiti. There's been an investigation on billions of dollars of mismanagement in Petrocaribe. Some members of your party appeared in that investigation. Yourself appeared in the investigation. What do you say about that? I mean, one of the accusations made is that 1 week or so after you were named Martelly's successor, $1 million were transferred to your company. I mean, some people from outside Haiti, they would see this as something suspicious. I mean, how do you explain it? Ça, c'est un point important. Je suis un entrepreneur. Après mes 5 ans de pouvoir politique, je vais retourner dans mes affaires. J'ai pris connaissance que j'étais candidat, que j'ai démissionné de la compagnie. Mais il y avait en fait un projet que cette entreprise faisait dans le nord-est d'Haïti. Et en fait, il y a des prêts que cette entreprise a contractés. Ces prêts-là, ce sont des prêts qui ont été contractés légalement. Et c'est de l'argent que cette entreprise doit remettre. Ce n'est pas son argent. Je pense que c'est ça qui est douteux. Mais une entreprise qui a emprunté de l'argent, qui doit de l'argent à une entreprise financière, c'est une dette. Mais pourquoi il y a de suspicion dans ça? Alors, je veux être clair pour vous dire que le 4 septembre 2017, j'ai fait un discours qui a secoué ce pays. J'ai dit que... Je vous parle de ma première année de mandature. J'ai dit que le pays a 5 problèmes. Et puis les gens qui étaient en face de moi, quand j'ai dit oui, que le pays a 5 problèmes.
Et j'ai parlé, j'ai dit que ces cinq problèmes, c'est la corruption, la corruption, la corruption, la corruption et la corruption. Eh bien, voilà, c'est justement pour vous dire que ça a un peu blessé certaines personnes. Et maintenant, c'est comme si on est en train de détourner, en fait, la vision qu'on a de cette bataille que je mène contre la corruption. Mais moi-même, je suis clair, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai vite compris qu'on ne peut pas construire un kilomètre de route, faire du revêtement sur des petits chantiers, des choses qui devaient coûter à l'État peut-être 200 000 dollars, 300 000 dollars, on les faisait à 1 500 000 dollars. J'ai corrigé ça. Par exemple, maintenant, on est en train de corriger certaines choses au niveau du secteur de l'énergie. Parce que si vous voulez parler de développement, il y a les prérequis du développement. Il faut construire des routes, il faut de l'électricité, il faut de l'eau dans les robinets d'urgence. Ce n'est pas le développement. Ce sont des prérequis du développement. Même ces prérequis, nous ne les avons pas en Haïti. Parce qu'il y a en fait un chevauchement, une sorte de mélange entre l'État et certains acteurs privés. Et bien maintenant, on est en train de travailler pour séparer les choses, pour donner à l'État, pour renforcer l'État, pour dire l'État, votre rôle aujourd'hui, vous avez le rôle pour servir le peuple, et le privé aussi, vous avez votre rôle pour travailler, pour faire votre profit et faire fructifier vos affaires, mais il faut laisser l'État travailler. Mais ça pose problème, parce qu'en fait, c'était comme ça, peut-être depuis les 50, les 60 dernières années, c'est un peu mélangé entre l'État et le privé. Maintenant, président de la République, j'ai dit non, il faut que ça cesse. Eh bien, cette bataille contre la corruption donne beaucoup de problèmes. People, as in the rest of Latin America, and in Haiti is not an exception, we've been seeing thousands and thousands of people taking to the streets. Corruption is one of the reasons why. Many were asking for your resignation at the time. What would you say to them? Maintenant, laisse-moi vous dire quelque chose. Nous sommes en janvier 2020. Vous parlez des manifestations qui ont eu lieu, ça fait peut-être 4 ou 5 mois de ça. Moi-même, j'ai pris la parole le 15 octobre 2019. La première grande manifestation qu'on a eue pour cette histoire de Petro-Caribe, on l'a eue le 17 octobre 2018, pour faire un peu d'histoire. C'était une grande manifestation et je dois vous dire aussi que cette manifestation, j'ai des preuves, hein, une partie de tout ce, je veux parler des t-shirts, des maillots et autres, ont été financés par des grands de ce pays. Mais pourquoi, vous posez aussi la question, pourquoi vous avez de grands entrepreneurs qui financent en fait des manifestations anti-corruption? Il faut réfléchir pour comprendre. Un président qui se bat contre la corruption, et puis aujourd'hui, c'est comme si on me met sur une croix pour dire, bon, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et bien maintenant, c'est pour ça que je vous dis que je suis en 2020. Je me suis descendu sur cette croix pour parler au peuple. Pour dire au peuple, vous m'avez donné un mandat comme président pour vous défendre. Je ne suis pas là pour travailler contre vous. Et le peuple commence à comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous parlez de ces problèmes de démission, que les manifestations qui ont eu lieu ont parlé de démission, c'est la plus grande manipulation de l'histoire de ce pays. Je veux parler de moi-même. Des gens qui voulaient me faire passer pour quelqu'un qui a fait des choses contre ce peuple. Mais moi, j'ai eu ce pouvoir avec la parole. J'ai fait 22 mois de campagne. J'ai gagné les élections pendant 2 fois, en 2015 et en 2016. Je me suis battu avec tout un système pour être là où je suis. Et aujourd'hui, je suis en train de donner des réponses à mon peuple. Je suis en train de dire la vérité à mon peuple. Et je suis en train aussi de prendre ce qui est pour lui. Parce qu'il y a des intérêts qui sont pour le peuple, qui sont entre les mains des oligarques corrompus. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je dois vous dire que je reste sur ce chemin. Et
en allant sur ce chemin, je veux travailler avec, comme je viens de vous dire, d'autres personnes. Parce qu'au niveau des forces politiques, sociales et économiques, il y a des gens qui sont corrects. Je veux travailler avec eux pour mettre le pays sur les rails du changement et du développement et de la croissance. Mais ce n'est pas une chose facile, parce que la corruption, c'est une machine infernale. Quand cette machine-là tourne contre vous, il faut avoir du courage pour lutter contre cette machine. So what you're saying is that because you're dealing with very, very powerful political forces, economic forces, they are the ones that are organizing the protests against you. I mean, what have you exactly done to hurt them so they want you out of office? Attends, quand vous parlez de ces, vous parlez de ces forces, de ces puissantes forces, c'est vrai, ce sont des forces extrêmement puissantes. Ce sont des forces puissantes qui ont gardé ce pays, comme je viens de vous parler, qui ont gardé ce peuple dans un état de zombification pour que eux autres, ils ont toujours le monopole. Quand je parle de monopole, vous comprenez de quoi je parle. Maintenant, c'est pour ça aujourd'hui, je suis arrivé à la tête de l'État. J'ai fait cette distinction entre ceux qui sont corrects au niveau du secteur privé, parce que vous avez des gens corrects aussi qui travaillent dans le secteur privé, qui paient leurs taxes, qui respectent en fait leur contrat avec l'État. Mais vous avez ces oligarques corrompus qui contrôlent une bonne partie de l'État et qui utilisent l'argent de l'État pour déstabiliser le pays. Ce sont des forces déstabilisatrices. Et il y a en fait un mélange dans ça. Moi, je ne veux pas parler de force politique et de force économique. Je parle de force déstabilisatrice. Mais ces gens-là, ils sont partout. Parce que ce sont des gens, ce sont leurs intérêts personnels qui les intéressent. Ce sont des intérêts de leur groupe qui les intéressent. Maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à mon niveau, c'est l'intérêt du peuple qui doit vous intéresser. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi-même, je mène cette bataille pour dire à tout ce beau monde, qui sont des Haïtiens comme moi d'ailleurs, je ne suis pas là pour leur dire de laisser le pays ou bien non. Non, au contraire, ils doivent changer d'attitude. Ils doivent changer d'attitude pour qu'on puisse se mettre ensemble et créer un pays meilleur, un futur meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Amnesty International and other groups have expressed their worry about an increase in abused by security forces during demonstrations. Almost 200 people died since July 2018. What are you doing to prevent police abuse? Il n'y a pas d'abus au niveau de la police en Haïti. On doit être clair. Encore moi-même, je l'ai dit dans plusieurs interviews que j'ai eues, dans plusieurs entrevues que j'ai eues. Et il y a beaucoup de groupes en Haïti qu'on considère comme des groupes de droits humains, mais qui sont des groupes de l'opposition radicale. Des gens qui veulent prendre le pouvoir, non pas par les élections, et qui se font passer pour des groupes de droits humains. On n'a pas eu d'abus, je dirais, systématiques de la police. Ça peut arriver qu'on a eu des bavures policières isolées, mais ça arrive dans tous les pays du monde. Eh bien, mais la police a eu un comportement professionnel. On a eu en fait des batailles, des conflits entre des gangs armés. On l'a eu dans plusieurs quartiers à Port-au-Prince. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des dizaines d'années. C'est un héritage lourd que nous avons eu depuis les années 90. Et nous avons des gangs dans le pays à travers les quartiers défavorisés où parfois les conflits entre les gangs, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Maintenant, pour vous dire, et moi-même, je sais que Amnesty International, c'est une institution respectable. Et c'est pour ça que nous autres, au niveau du gouvernement, nous avons travaillé, nous avons produit un rapport, et je sais que ce rapport, j'ai parlé au ministre des Affaires étrangères la semaine dernière, qui m'a dit qu'il est en train de travailler pour trouver, en fait,
une entrevue avec Amnesty International pour qu'on donne un rapport sur ce qui s'est passé réellement. But it's the United Nations that wants, even is asking for accountability. For example, in two massacres that happened where dozens of people died. Are you cooperating with the investigation? We want to know exactly what the Haitian government is trying to do so that things like that do not happen again. Maintenant, j'ai bien expliqué à certains fonctionnaires des Nations Unies ce qu'on a eu à la Saline de la police. Il y a eu trois fonctionnaires publics qu'on a indexés. L'un de ces qui est un élu, deux autres sont deux hauts fonctionnaires de l'État. Et ces deux fonctionnaires sont là depuis 4 mois, mais ils n'ont jamais reçu d'invitation de la justice. Et il faut comprendre aussi que la justice est indépendante. Il n'y a pas, en fait, entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, ce sont trois pouvoirs indépendants. Moi, je ne peux pas demander à un juge d'instruction d'envoyer, je dirais, des papiers de comparution à un fonctionnaire qui est révoqué. C'est le rôle du juge. Eh bien, jusqu'à présent, et on continue, nous autres, du côté du gouvernement, du côté de mon administration, à travailler pour baisser la tension au niveau de ces quartiers. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied. Nous avons formé une commission, c'est la CNDDR, la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. C'est justement pour parler avec ces gens-là, pour aller dans les quartiers où il y a des problèmes de banditisme, des problèmes de gang, pour leur donner la possibilité de remettre les armes, pour baisser les confrontations qu'on a dans les quartiers. Nous autres, au niveau du gouvernement, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes en train de travailler pour trouver, en fait, une solution amiable à ce problème de banditisme. Throughout this interview, you've expressed your interest and your passion to solve the problems of the Haitian people today. The United Nations came to Haiti and they were involved in introducing cholera again in Haiti. Also reports of soldiers fathering children. Are you demanding any type of accountability? Are you asking for compensation for those affected? J'étais en 2018, je crois, à la tribune des Nations Unies. J'étais clair. Mon discours était clair. Et d'ailleurs, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, il a plaidé il a fait un plaidoyer pour 400 millions de dollars pour les victimes du choléra. Bon, 2 ans après, on n'a pas, en fait, les résultats escomptés. Mais nous autres, du côté haïtien, notre position est claire. Nous voulons des compensations pour ces gens. Mais vous le savez bien, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Il y a en fait une façon de faire. Et nous autres, nous sommes clairs pour trouver des compensations et pour ces enfants qui ont eu des pères, des soldats des Nations Unies et qui ont laissé des enfants en Haïti. Et nous autres, nous sommes clairs là-dessus. Et nous avons parlé avec le secrétaire général des Nations Unies. Et je sais, comme je viens de vous dire, qu'ils sont très actifs au niveau des Nations Unies sur ce fonds, parce qu'en fait, le choléra SNAP, ce n'est pas seulement d'éradiquer le choléra, mais il faut aussi voir une compensation pour ces victimes et pour les parents de ces gens qui sont morts à cause de ce fléau-là. President Jovenel Moïse, thank you so much for talking to Al Jazeera. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.